La forêt en 2020 est malmenée, elle est malmenée par le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, c'est notre rôle de reboiseur, de pépiniériste, que d'aider cette forêt à passer ses étapes et à passer ses difficultés. C'est pour ça que nous remercions le réseau La Forêt d'aller dans ce sens et de nous permettre de donner des moyens à des propriétaires qui souhaitent aider cette forêt et planter des arbres. Nous avons deux méthodes de plantation. Donc la première, c'est de la plantation manuelle, c'est-à-dire que nous avons des équipes de 5 à 7 planteurs qui se rendent sur la parcelle et qui plantent à la pioche, et là, qui sont capables de planter environ 800 à 1000 plants par jour et par personne. La seconde méthode, c'est la plantation mécanique. Elle est un petit peu plus contraignante puisque nous avons besoin d'un tracteur et d'une machine et de 3 opérateurs. Mais par contre, nous pouvons planter de 2000 à 6000 plants par jour selon les caractéristiques de la parcelle. Le partenariat avec le réseau La Forêt a débuté en 2020 sur des bases ambitieuses puisque le réseau La Forêt s'est engagé à planter 30 000 arbres sur cette plantation à Chamagne dans les Vosges. Concrètement, comment ça marche? Le réseau La Forêt va apporter un financement au propriétaire forestier qui lui s'engage à entretenir sa plantation pendant plusieurs années. Nous sommes heureux que cette entreprise aux valeurs familiales nous rejoigne pour contribuer au reboisement en France et nous les remercions de leur confiance.